Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, désolé si je vous ai explosé les oreilles, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Belgique profonde V3, donc by Arsenic Modding. Pour cette présentation, je suis en compagnie de Baptiste. Salut à tous. Et donc, bah voilà, notre petit retour. Ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc bah on en profite. Et ah, puis, tant ça. On a un peu de temps là, donc c'est parfait. Bon, du coup, commençons tout de suite la présentation. Donc, je laisse monsieur le guide faire, hein, puisque moi j'ai pas encore visité la map, donc c'est en découverte en même temps que vous. C'est qui le guide? Bah, c'est toi. Ah, c'est moi. Ah, ouais. C'est toi le guide. Bon, bah, là, on va aller prendre les voitures. Hein. Ils sont. Non, on va d'abord faire le tour de la ferme à pied, ouais, je pense, donc, que c'est une bonne idée. Ici, on peut voir qu'il y a eu une serre de rajouter, donc. Alors, allez, je te parle pas de ma plantation. On peut penser que ça peut être. Voilà. Voilà, donc des nouveaux trottoirs en pavé, une petite boîte aux lettres jaunes. Ouais, plutôt joli. Après, donc, une partie complètement nouvelle, donc ici. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit hangar et un champ d'herbe derrière. Ouais, donc, alors, c'est une partie qui est plutôt dédiée, je pense. Faut faire que de la pomme de terre, hein, parce qu'il y a des hangars pour ranger du matériel. Là, il y a une station de nettoyage de pommes de terre. Donc après, ici, c'était les moutons. Hein, pour ceux qui se... oui, donc ici... Ouais, mais il y a toujours les moutons, ça. Une station de nettoyage de pommes de terre. Ouais. Donc ça, après, faut savoir l'utiliser, mais pourquoi pas vous faire un tuto un jour si vous en avez besoin. Bah, et pas là, t'as stockage de pommes de terre nettoyées. Donc ça, il y avait... Ouais. Donc nettoyer, donc ça, ça nettoie les pommes de terre en même temps. Et je sais pas d'où ça vient, mais on entend des gens qui sifflent. Ah, peut-être, j'ai pas le... Enfin, j'ai le son du jeu là pour la capture, mais je l'entends pas dans le casque. Donc bon, ici, voilà, vous avez du matériel de base, donc 2 remorques, une crampe et une... C'est une quoi, celle-là? Une flygle, ouais, voilà. Donc ensuite, ici vous avez un cultivateur également de base, donc c'est plutôt sympathique. Donc on va avancer un peu dans la ferme maintenant. Ouais, donc bon, on va continuer à la ferme à pied. Bon, ici ça peut changer. T'es où? Ah, t'es parti de l'autre côté, je t'ai parti de ce côté-là. Ouais, ouais, les moutons, ça, ça a pas bougé. Hein. Ouais, donc non, là-bas c'était un pré, enfin un champ d'herbe qui avait à la place. Ouais, là les nouveaux chemins, ils sont plutôt sympas, je trouve. Hein. Ouais. Alors là, Y a le mode boue aussi qui a été rajouté, on vous montrera si... Là, ça n'a pas trop changé, non. Genre si c'est autre betterave. Par contre, là, après, ça a beaucoup changé. Après, ici, vous avez des éléments du décor qui ont été rajoutés aussi. Ouais. C'est donc là, gros point fort, maintenant, il y a des tuyaux, bah, des buses, des vis. Donc vous vous mettez en dessous directement. En dessous avec ta remorque. Tu vois le point vert là, par terre, ouais. Tu le mets en dessous avec ta remorque et tu dois faire R comme dans les silos de bas sur le journal. Donc vous avez et ici, on peut les ouvrir je crois avec le animation map trigger, toujours le même. Ouais. Donc, il y a des nouvelles cultures aussi, je sais pas ce que c'est. Tournesol et avoine s'il me semble. Non, avoine il y avait déjà. Tournesol et c'est tout. La silo, mais je peux pas te dire ce que c'est. C'est une céréale aussi, mais je sais pas, peut-être du tridical, je sais pas. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Non, moi, il me semblait... Non, c'était pas avoine, du coup. Mais je... oui, donc c'est une... c'est expliqué dans le descriptif de la map aussi, donc... Donc là, on continue. Ils ont remis... parce qu'il me semble qu'il n'y a plus les silos à herbe, en vrai, que si, s'il y avait. Je sais plus. Donc non, là, il y a silos compost, copeaux... Ouais, il y a des sacrés silos, là. Et paille. On pourrait en faire des... Là, du stockage, là. C'est là. Donc là, il y a 2 bâtiments de stockage, donc ils sont vides, je crois, j'ai un peu fait le tour, mais... Ça, c'est quoi? Des bâtiments de stockage complètement vides. Ah oui. Putain, il y a de la place, hein. Oui, là, t'as de la place. C'est clair que... Hop. Et celui-là est vide aussi. Donc là, après, il y a... Attends, là, t'es parti où, là? Je suis là. Ah, là-bas, derrière. Ouais, donc là-bas, il reste une petite partie du champ d'herbe qu'il y avait ici avant, mais... Ouais, c'était le champ 1, donc je vais vous montrer le PDA aussi, juste. Donc, vous verrez la partie en haut à gauche. Alors, en rouge, les chemins en rouge, c'est les routes, et en jaune, c'est les chemins de terre. Et en bleu, vous pouvez voir les rivières, non? Oui. Ça. Qui ont été, enfin, dont la texture a été refaite. Ouais, j'ai vu, putain, et du coup, bon, là, ça ressemble à un silo, mais ça, je sais pas trop, faudra voir, ça. Je peux pas vous renseigner. Ouais.
Et là, il y a le truc pour faire Après, c'est faire à sa vous de séance. découvrir, nous, on vous fait une description comme ça. Pour faire Pour le ouais, là, il y a plaisir. la machine faire la séance. Bon, je pense qu'on va prendre les voitures. Tu prends laquelle? Bah, je sais pas. Tac. La bleue ou le, comme tu veux. Je prends la jaune. Ouais, hop. On va aller Bon, donc. tu me suis? Ouais, je te suis, t'inquiète. Hop. Attends. Donc alors là, bon, ça a pas changé. Si les silos et apparemment ils ont une nouvelle texture plus Oui, réaliste. donc il vous faut le mode aussi silo BGA, je crois que c'est ça. Ça a été donc c'est avec la map, hein, donc c'est juste au-dessus, le lien qui est juste au-dessus. Là, il y a le mix master qui a été rajouté. Ouais, donc C'est ça pour c'est. on met foin, paille et ensilage et ça fait le mélange tout seul et tu le mets en dessous avec ta mélange jaune. Ouais, donc c'est après c'est un nouveau une En vrai, nouvelle. c'est pas le même que l'autre d'avant, Ouais, mais c'est c'est le le même principe. principe. Donc là, après, c'est vos cochons toujours, ça Les change oies pas. là-bas toujours aussi. Ouais, voilà, Ici le ça fumier change aussi, pas. sans doute derrière là. Ouais. Ici donc ça change pas grand-chose de la version précédente. Là, après, y a rien qui bouge non plus, ça change Ici pas. c'est des hangars, donc là c'est les vaches toujours pareil, les semences, les produits phyto. Donc là, ici vous avez un semoir. Il y a beaucoup de véhicules de base, hein, dis donc. Ouais, c'est pas mal. Bon, là, Ici. rien ne change. Non. Donc ici vous Rien pouvez toujours de stocker bah, votre paille, hein, moi j'utilisais pour ça. Et puis donc là, ici vous pouvez voir que bah La texture de l'herbe a changé aussi dans le champ des vaches. ouais, ça Car là, en il y a une petite face. véranda qui a été rajoutée dans la maison, je sais pas si Ouais, tu vois. en haut ouais. Là en face, juste en face, ça. Ouais, ça rajoute du décor, c'est plutôt pas mal. Là, ça a changé un peu les maisons aussi. Ils ont rajouté une caravane, mais par ça, pas Après grand chose, je l'église, pense. tout ça, la route elle est ficelée aussi, avant elle était pas. Enfin, comment on peut appeler ça pas ficelée? Ficelé, fissuré. Fissurée, oui. Ah si, là, il y a un nouveau truc, j'ai même pas vu ça. Bon, attends, on va aller voir alors. Ah, parce que le champ est bien plus petit ici aussi. Ah oui, ça c'est quoi lui? Une maison quoi? Non? On peut même Ah pas non, passer c'est le par là. marché, attends. On va descendre à pied, viens. Ouais, bon, on va passer. Donc ici c'est. Ouais, ça a été. C'est une partie. On va passer par-dessus le mur. C'est une partie qui a été complètement rajoutée. Donc c'est. Là vous avez une Ah ouais, j'ai pas pharmacie. vu ça, il y a une petite place et Donc tout, ça couvait. c'est sympa. Ça me les Ici, couilles. boulangerie, pâtisserie. Tiens, j'entends encore des gens siffler, moi, mais c'est pas possible. Ah. En vrai, j'ai du courant dans la fontaine. Mais non, oui. Comme si c'était une rivière, dis donc. Ouais, donc c'est plutôt une Il n'y a que place. de l'eau à boire ici. Hein. Ça t'intéresse pas, toi? Ah non, il y a des fûts de bière. Ouais, c'est des Alors là, je petits peux éléments de palette. décor Deux palettes de packs de qui bière. sont vraiment Je sympas. peux pas faire. Bah, ça rajoute de la vie un peu dans la ville. Donc c'est plutôt Une sympa. boulangerie. Donc, Voilà. on reprend nos Bon, tour de voitures, du coup. voiture. Des gens qui marchent, des poubelles. Hop. Rien On passe d'intéressant, par-dessus le quoi. mur. Après, on va passer vers le concessionnaire. Oui, si tu veux. Les petites modifications là. Ouais, plus grand changement, hein, les maisons juste qui ont changé. Et après, Ah donc. si, là, ils ont mis la rivière fait un peu plus propre. Ouais. Au bord de la route, c'est plutôt joli. La Bon, nouvelle. par Bah, contre, je vais pas. et donc, ouais, après, niveau FPS, bon, moi, je suis à 40. Donc, c'est pas fluide, fluide, mais après, ça vient peut-être de mon Ah tiens, PC. Donc, non, mais. la map a Voilà, ça va un peu énormément changer. évolué niveau taille Qu'est-ce aussi. que c'est que ça? Elle fait Attends, je vois un truc là-bas, ça 300. m'intrigue. Tu rentreras pas par là aussi. Elle fait 364 MO, donc Suis-moi, on passe c'est à travers Chantilly, je assez. lag. Si, si, Je me si, suis si. trouvé de ma gueule. Vas-y, passe par là. Suis-moi, à travers Chantilly, j'ai vu un truc que j'ai pas vu tout à l'heure. Ah. Donc on va passer par là. Attends, je me suis buggé dans le caillou. Bah, c'est le nouveau point de vente qui est là-bas en haut. Ah, j'ai pas vu ça tout à l'heure, tiens. Si on aurait pu passer par la route, hein. Vache, ça monte pour aller ici, hein. D'avoir intérêt avec une remorque bien chargée, un tracteur un peu léger devant. Attends-moi du coup. On aurait pu passer par la route, ça aurait fait un peu plus. Donc là, Un c'est en fait transport. c'est la suite, hein. Bah, on passera par la route pour. Vache, ça a changé ici. Bah oui, c'est. Bah, ça a été créé complètement. Donc, Et tu vois, je te dis, ça va. Oh, il y a une gare. Mais c'est un bourg, carrément. Bah, c'est celui-là, la nouvelle. Le nouveau point fort, t'avais pas vu ça? Non. Il y a les vélos, tout ça, donc Ils m'ont ici. tout recalé, je te dis. Ça, je t'ai dit, ouais, il y a quelques changements, mais c'est pas énorme. Ah si, ici, ouais. Ah,
ici. Ah, mais il y a la gare et tout. Ouais, vous avez normalement la musique de la SNCF quelque part. Je sais pas, attends, on va aller descendre. Donc là, vous pouvez entendre. Normalement, je sais pas si t'entends. Ah, toi. Si, ouais. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Après, regarde, ici, tu peux aller descendre par là. Ah ouais, mais c'est comme dans une vraie guerre, en fait, ton merdier. C'est franchement sympa. Après, ici, on peut prendre... Il y a... Ouais, donc ici, ça doit être... Ici, on peut faire partir le train, aussi. Ça, normalement, il n'y a pas... Attends, vas-y, je vais sur les rails, voir s'il part. Donc là... Vas-y. Là, je l'ai fait partir. Est-ce qu'il va m'écraser? Oui. Ah, je suis passé dessus. Tu me vois partir, non? Oui, il est passé dessus. Et donc, vous avez un point de vente. Attends, je vais mettre le PDA pour voir. Attends, je compose mon ticket, là, je pars en vacances. Pas tout de suite, hein. On a encore quelques vidéos à faire. Attendez, c'est ici quelque part que vous devez vider, non? Il n'y a rien d'intéressant. Le trieur, il est où? Parce que là, ah, c'est ici, voilà. Donc c'est ici, donc au final, je voulais passer par là en dernier. Mais... Non, je vais à la baraque à frites, mais je suis donc ici, ça va s'appeler... Alors attendez, je vais regarder les différents points de vente. Donc vous avez type de culture, donc là vous avez des graines colorées. C'est du seigle, la nouvelle céréale. Ah, du seigle. On aurait dû regarder ici. Comment tu sais? Donc bah dans I, tu vois. Ou échappe, je sais plus, I, je crois. Bien jour, bien jour. Et donc du coup ici vous avez graines colorées, ça c'est la création de graines sans doute que... Mais si, c'est ici qu'on... Ouais. Il y avait déjà dans la version précédente. C'est ici qu'on vend la laine. Donc attends, là je suis dans le... Ici il y a du gasoil, je dirais, ici ils ont du gasoil. Non, et les patates, les pommes de terre lavées sont à 1525 € la tonne. Dis donc. Et t'es encore en facile. Ça vaut le coup, hein. Non, je crois que je suis en normal. Mais c'est énorme. Et ben les pommes de terre ça. Le colza 1100 € la tonne. Et ben dis donc, c'est cher. Hein. Et les pommes de terre non lavées. Et pommes de terre normale, attends, c'est 317 €. Ah oui, quand même. Au biogaz, mais après. Après aux autres c'est à 456 € à Bioserre. Donc c'est déjà un peu plus élevé. Mais tiens, je te dis, il y a une queue de gasoil ici. Entre 1500 et 300 €. Donc vous avez chaufferie biomasse, biocère, toujours biogaz. Et donc là, ça s'appelle Gare de Baudange, donc le nouveau point de vente. Donc vous pouvez vendre du blé, comme vous pouvez voir, de l'orge, du colza, du maïs grain sans doute, des betteraves, des pommes de terre, du compost et des pommes de terre lavées. Voilà, donc c'est vraiment un point de vente sympathique qui n'était pas là auparavant et qui fait vivre un peu plus la map. Hein. Donc ici, donc c'est où que tu disais la laine, c'est ici, c'est ça? Ouais. Ouais. Il y a un trigger. Quelle laine? Ouais, bah... t'as de quoi faire du gasoil. Tiens, j'en fais un peu avant de partir parce que je suis pas sûr qu'après chez nous il y en ait. Total, ouais, ouais, c'est ça. Mais non, hein, ça y est, la crise du gasoil. Après il y a la crise du lait, la crise du gasoil. Donc c'est plutôt sympa, donc après on va vous laisser découvrir au fur et à mesure de vos parties, hein, évidemment. On va pas tout vous... après si vous voulez des tutos sur les nouveaux, sur les nouvelles fonctionnalités de la map, par exemple pour les patates. Donc ouais, on est reparti. Parce que moi je blabla. Mais vaut mieux que ce soit court et intense, on va dire. Hop. Je te suis. Essaye de repasser par la route quand même. Oui, comme ça on va visiter. Oh la vache, ici ça grimpe, hein. Faut venir avec une revanche. Faut changer comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, pourtant les champs ont pas changé parce qu'en fait c'était un chemin là avant, on a mis une route. Non, c'était la fin de la map quoi. Oh. Non, il y avait un chemin ici. Ah ouais? Ouais, j'en suis sûr. Donc c'est ici, je sais pas si vous en souvenez, ici quelque part qu'on était venu faire des patates dans l'épisode numéro 20. Oui, tu passes à côté, il y a encore des patates. Oui, c'était ça, oui. C'était à ta droite, à ta gauche. Ouais, et donc vous pouvez voir la nouvelle texture d'herbe en face. Ouh, voilà, je prie photo. Ça... C'est plutôt sympa. Bon, on va aller voir un peu plus haut vers le concessionnaire, après on va passer au BGA, et puis après, ça sera pas mal, je pense. Hop. Allez, clignotant. Ouais, attends, je l'ai agacé comme ça. Ouais, j'ai pas eu le temps de la mettre sur le serveur.
c'est long. C'est long, c'est long tout ça. Donc là, on repasse par où on était tout à l'heure. Hop, ici, on va vers le concessionnaire. Sinon, je passe devant. Comme tu veux. Avev, toujours pareil. Avev, tiens, à gauche. Chez la mamie, chez qui on était l'autre jour, avec Kylian, là, quand on était venu en vacances, on a mis une caravane. Ouais, elle a mis une serre aussi. Et donc, un autre ici, marché, vous pouvez vendre vos œufs. Vous avez toujours Century 21 un peu plus bas là, ça n'a pas changé. Ouais, il a changé les trottoirs là aussi. Donc ici vous avez des travaux là, à gauche. Là, on va aller voir le chantier là. Des travaux donc on va battre. Je sais pas si c'est animé. On peut monter dans les rues ou quoi? Non, non, je crois. Oh, ça serait stylé. Ouais, mais bon, on n'est pas arrivé sur TP Simulator. Hein, donc... Ouais, donc des petits chantiers là. Putain, sympa. Hop, on continue. Donc après ici ouais il y a des fleurs qui ont été rajoutées je crois sur l'herbe. Et là le magasin, attention gros changement. Hop. On prend le portail. Putain fait chier. Donc on peut plus passer par la gauche. Peut-être passer à droite. Ouais. Est-ce que vous allez voir quelque chose de nouveau? Donc on va aller voir. Et ça. Et voilà. Donc pour les mécaniciens, c'est bien ça. Faire un petit tour dedans. Tout cool. Oui, cliquez. Donc attendez, je vais éteindre mon portable puisqu'il vibre depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous entendez. Donc voilà, ici c'est... Oui, bah... Ce serait un vrai concessionnaire, quoi. Maintenant, c'est plutôt sympa. Donc vous avez une petite affiche repas avec... Ouais, stylé, hein. Ouais, c'est sympa. Gastro. Bon, les RP, c'est bien. Ouais. Roland, tout ça. Il a dû passer un peu de temps quand même, hein. On s'y attendait pas à cette sortie si rapide de cette BP là, mais... Oh, lui, et surtout la jardinerie à côté. Attendez, on va aller voir. Elle a bien changé aussi. Elle a un peu de ferraille là dehors. Je vais aller à pied. Je récupérerai ma voiture. Donc là, votre l'entrée qui est vraiment classe, un Porsche en pierre. C'est plutôt sympa. Donc ici, vous pouvez acheter donc tout ce qui est bah, les armes. Comme d'habitude, ouais, c'est il a rajouté beaucoup de décors, mais bon, c'est la serre, une grande serre derrière là. Avec, ouais, je suis dedans. On peut même, il y a un truc ici, un trigger, je vois ce que c'est. On peut ouvrir ici. Hop. Tu sais ce que c'est le trigger, toi ici? Où? Il y a un trigger là. Il y a deux triggers. Je sais pas, peut-être pour mettre de l'eau ou quelque chose. Non, mais non. Là il y a des trucs de semences à côté, donc peut-être c'est pour ça, je sais. Ah ouais. Peut-être là produit phyto. Ouais, je sais pas. Stockage de produits phytosanitaires. Ah ouais, c'est ça. Ça doit être ça. C'est bizarre, et là ça doit être la semence. Et là le... Ah oui, c'est bizarre qu'ils mettent ça au milieu d'une serre. C'est... Ça fait vraiment grande serre grandiose hein, quand même. Ouais, c'est bien fait. C'est sympa. Hein. Donc ici vous avez la sortie, hop. Donc ouais ici on c'était... On peut acheter quoi ici? Des armes. Des armes, ouais. Hop, donc on va repasser à la voiture. Hop là. Et puis on va aller faire... Je t'ai fait niquer. Pourquoi? Tu voulais passer de l'autre côté, non? Non, non. Hop. On va aller faire un petit tour au BGA, je crois que ça a changé par là-bas. Est-ce que t'as vu autre chose qui a changé dans la map, toi? Non, le BGA va trop changer. Non, mais il y a un toit, c'est non? C'est surtout à côté, l'abattoir. Il est putain de bien fait. L'abattoir? Ah oui, ah, si tu voyais ça, mon cochon. Attends, bah on va aller voir. Et il y a une forêt aussi derrière, faut qu'on aille voir ça. Ouais, celle-là aussi est propre. Avec un pont en rondin et tout. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de boulot qui a été fait par Arsenic Modding. Donc c'est franchement sympa. Hop là. Donc là on est déjà à 20 minutes de vidéo. Enfin bon, ce sera un peu plus long mais c'est pas grave. Comme ça elle sera complète la présentation. Ça aurait été encore mieux qu'on ait Arsenic Modding mais je vais pas réussir à le convaincre. Donc ici le TA n'a pas changé, je crois pas. Non. Et donc toi t'es parti dans le chemin à gauche là. C'est ça? T'es parti où toi? Mais non, je suis à l'abattoir. Ah t'es...
Et donc après vous verrez la forêt. On va voir ça tout de suite. Donc ici vous pouvez voir aussi, donc par rapport à l'épisode 22, vous pourrez aller revoir 22, ouais c'est ça. Ou 21, je ne sais plus très bien sur lequel on avait vendu nos des animaux en RP. Donc ici on peut ouvrir, non. Mais ah, oui. Oh là. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Attends, on est avec eux. C'est beaucoup mieux. Tu me fais. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon là. Mais là, fais gaffe à la fin, NC, tu te fais découper. Ah ouais, bah dis donc. Il a poussé loin, pourtant l'abattoir, quelque chose qui n'est pas très... Attends, je suis bloqué dans le tapis roulant. Saute. Donc ici, ouais, c'est sympa. Franchement... Bon, par contre, après, tu peux plus aller. Là, tu prends un mur. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'il a fait. Et ici, on peut même rentrer par là, tu vois. Ouais. Ouais. C'est franchement sympa. Ici vous avez rien, après derrière le machin à côté, la scierie a pas trop changé. D'accord. On va passer à la forêt maintenant. La forêt. Hop là, donc pour ceux qui sont amis du bois, non c'est l'autre côté. Vous allez oui, c'est l'autre côté. Vous allez aimer parce que franchement il a dû passer du temps. Donc là le TA n'a pas changé. Non. Très bien. Pas vu de changement. Non, je crois pas. Par contre, là, ils sont bien faits les chemins. Là, vous pouvez voir, ouais. C'est... Donc les branches, je connais comment tu fais gaffe sur le pont rond. Toi aussi. Ouais. Là, les cascades et tout ça, c'est une spécialité d'Arsenal. Mais il y a du courant là aussi, là. Ouais. Et donc là, il avait rajouté le mode boue aussi, mais je sais pas s'il est intégré. Si, tout à l'heure, j'ai vu un tracteur quand je passais d'où elle veut terre et j'ai. Ouais, là où je suis, tu vois tout la terre qui gicle ouais. Quand tu passes. Ah ouais. Après tu peux rester un peu embourbé, enfin c'est vraiment ça qu'ils auraient dû ouais, faire. Ouais, tu sens plus de mal à avancer. C'est vraiment ça qu'ils auraient dû faire déjà farming déjà de base dans leur jeu. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est un bonheur, ça fait pas très longtemps. Il y a des, herbes de travers et tout, c'est magnifique. Magnifique. Et un arbre au-dessus de la rivière et tout. Ouais, vache. Comme regarde, quoi, on a, gauche, des, on a encore des bons modeurs. Regarde à gauche. Ouais. T'as un arbre au-dessus de la rivière. On a touché, mais... Franchement. Ouais, les propres. Hein. C'est magnifique. Toute cette partie-là n'existait pas non plus. Hein. Non, c'était rajouté. Bon, par contre, les FPS ici sont pas très hauts, mais c'est normal. Il y a tellement d'armes. Bon, après, on peut sacrifier quelques FPS pour de la bonne qualité. Ah ouais, non, là, c'est vraiment... Ouais, là on sent que t'as du mal à avancer. Ah ouais, là il y a un putain de pont rondin au-dessus de la machin et tout. Ouais, au-dessus de la voie de chemin de fer. Voilà, c'est magnifique. Ouais, je suis pas venu, moi, jusque là, t'as... Putain, c'est propre, hein. Ouais. D'ailleurs, t'as un chemin là pour venir de la côté. Vous pouvez voir le 4x4 qui se salit, hein, donc on voit bien qu'on est passé dans... Ouais, ouais, il se salit vite là-dedans. Ouais, ah oui, ça par contre... Je passe ici, passe de l'autre côté, toi. Ouais, c'est franchement sympa. Ah ouais putain c'est propre. Et on sent que t'avances plus trop. Tu ouais on sent qu'on a du mal. Ça ici ouais. Je sais même pas si ouais, on va... fond, c'est vrai que c'est on rapide, fera peut-être. Ouh la vache là t'as une couche hein. Tu glisses et tout. Ah ouais. Ah oui. Ah oui d'accord. Ouais. Après il en a pas mis trop parce que... Bah sinon tu restes dedans c'est moins... Ah sinon ça aurait été chiant quand même. Ouais. Sur la ferme du pain je crois qu'il en mettait plus. Mais voilà, tu vois ton pick-up jaune et il est plus très jaune. Ouais, ça me tient. Et par contre, dès que ça arrête de glisser, biou, tu pars d'un coup. Ouais. Waouh. Ici, et donc là, on est où par rapport à la map? Donc là, on est sur le chemin jaune à gauche. Vous pouvez voir. Donc tout ça, c'est été créé. Et donc c'est oh la vache, ça avance plus. Oh la vache, de l'eau, tout, c'est trop propre. Ouais, c'est magnifique. On aurait dû venir là pour commencer. Hein, parce que... Franchement. Ah ouais. Oh la vache. Je sais pas si il y a bien un endroit où je peux prendre une miniature sympa là. Ah oh ouais, là t'as un lac propre. Tu crois qu'on peut aller dedans ou quoi? Ah je sais pas.
Parce que d'ailleurs je suis passé dans l'eau, ça m'a mis le message. Ouais mais si là je pense que... Ah non. Ah non. Voilà, là, je suis bloqué. Il y a un pêcheur et tout, on se croirait dans... Ah bah moi je suis bloqué sur le truc en bois donc... Bon, on va finir à pied je pense. Ouais. On va finir à pied. Mais franchement ici... Je sais pas où je vais prendre ma miniature encore mais... Bon là sur vous, vous voyez pas mais... Attendez, je vais ressortir. Mais franchement c'est... C'est franchement nickel. Bon bah je sais pas où t'es arrivé. Attends, il y a un autre champ encore qui était ajouté, je crois que t'es... Ouais, ouais. Là-dedans. C'est le 35 là à côté de toi. Ah oui, 35 c'était pas avant. Non. C'est, bah, ça même. C'est du seigle je crois à mon avis. Je suis paumé. Je sais pas. Ah non, c'est pas sûr. Non, non. Ouais. C'est le... Bah, mettre la miniature, c'est le 12 au-dessus de la ferme qui a été rajouté. Ouais, donc le 12, le 12, je vois le 11, le 15. Ah oui, le 12, au-dessus du 1. Ah oui, donc là, ça va beaucoup plus loin, c'est... Et l'autre côté, ouais, autrement, ça a pas trop changé côté droit de la map. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment sympathique. Bon, bah voilà, je pense que cette vidéo vous aura plu, hein, puisque je pense qu'on va être l'une des premières vidéos à sortir sur cette Belgique profonde. Absolument. C'était, par contre, toi, on t'entend presque plus. C'était fait pour aussi, hein, donc pour vous la faire découvrir. Donc franchement, jouez dessus, éclatez-vous, vous aurez le lien dans la description. Donc on va s'éclater là-dessus, je crois. Et donc on a des projets donc sur cette map, on verra, bah, on vous en dit pas plus, mais vous aurez un petit aperçu, je pense, mi-juillet, c'est ça qu'on avait dit. On verra ce qu'on fera, sur cette map, soit sur une autre. Ouais, deux ans. Donc, ouais. Et puis bah pour on fera quelque chose de spécial aussi pour vous remercier des 2000 abonnés hein, puisqu'on est on les a passés. Et des 2 ans. On est ouais. Et donc on va terminer en face de la rivière parce que ici c'est vraiment magnifique. Donc toute cette partie là a été créée. Donc la map est évidemment disponible sur le forum de Frabelle. Donc en tout cas, moi je les remercie si ils passent par là. Je remercie Arsenic Modding, je remercie toute l'équipe de Frabelle, surtout pour leur patience et tout ça, comme je l'ai dit. Donc bah voilà, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que franchement, ça valait le coup. Bon du coup, on va se laisser là. Allez, ciao ciao !